Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est là pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2017 avec Tony, c'est parti. Donc les amis, j'espère que vous allez bien, je suis accompagné de Tony, salut à toi. Salut. Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va, nickel, nickel, nickel. Alors merci beaucoup pour le premier épisode, enfin le premier épisode, la première partie de la vidéo, où c'est qu'on avait fait, on devait amener les palettes ici, voilà, donc on les a mis ici, et une fois que ça sera fait, un truc c'est étiré à fond, et une fois que ça sera fait, donc on a un camion avec du lait, et on va faire du coup du fromage, c'est ça, c'est du lait pasteurisé ou du fromage? Là on va faire du fromage plutôt, parce okay. On va faire des cartons de fromage. Des cartons de fromage, ouais. Et ici c'est le lait pasteurisé, qu'on fera peut-être en autre épisode, où on verra bien, tout dépend de vous dans les commentaires, à vous de me dire. Donc c'est parti, on monte du côté gauche parce qu'on est des fous. Donc là il faut que je vide où, quel côté? Donc c'est ce côté, hein. Là où je suis là. Donc je rappelle qu'on est sur la map le bout du monde les gars. Je rappelle aussi que j'ai mis à jour quelques petits mods sur le site. Attends, du coup c'est comme ça ou pas? R? Ouais. Ah y a, ça fonctionne. Bon. Alors regarde le tuyau et tout derrière. Attends je regarde, le tuyau et tout derrière. Oh yes, il y a un tuyau qui se met. Ah ouais, si j'avance ça fait quoi? Attends vite, avant que ça se vide. Non attends. Ça va étirer. Ça va s'étirer, c'est ça qui est marrant. Attends. R. Nia. Regarde, ça s'est enlevé. Voilà, ok, c'est bon. Non, c'est pas enlevé. Ah, mais c'est bon, c'est fini. C'est vide. Tu forces ou pas là? Quoi, je force? Enfin, le camion il. Non, il force pas, plus en avançant. Non, pas du tout, ça changera du tout. Du coup, donc là c'est bon. Attends, sortez du panneau parce que je vois rien. Donc là, on a combien? On a. C'est écrit là. On a 17 500 de palettes vides et on a 7040 de lait. Et on va pouvoir construire du cheese, donc ben, c'est... Mais non, le fromage c'est pas cheese. Si. Ah parce bon que là c'est H-milk, et H-milk c'est la crème. Vas-y, accélère le temps. D'accord, bon si tu le dis. Du coup ben, c'est parti, j'avance le temps, et normalement je devrais créer des palettes. Attends, juste la fenaison, je la mets à zéro. Hop. Je rappelle qu'on on est sur la map le bout du monde. Alors, normalement les palettes devaient se créer. Ah c'est bon, ça se crée. Les palettes se créent, mais est-ce que ça n'a pas créé aussi des palettes de... Non, non, parce qu'il n'y a pas de lait. Du coup, là, tu peux prendre le Manitou avec la fourche à palettes. Je vais faire ça... Non, mais là, ça produira plus. Ça produira plus parce que ça produit palette par palette. Ah d'accord. Tu enlèves la palette. Ok, donc c'est des palettes de 2000, donc on court, ça va. Du coup, au passage, je prends celle qui est là. Ouais, sur le camion aussi. Au passage, je prends celle qui est là, il y en a une sous le préau, là, on va dire. Je vais faire ça. Alors, avance un petit peu le temps parce qu'il fait pas assez jour. Sous le préau. Ah oui. D'accord, oui, là. Il y en a même une de pasteurisée à côté. Alors, attends, je vais essayer de choper ça, mais on n'y voit rien. Voilà. Donc, en vrai, là, c'est des vidéos que je fais un petit. Merde. Ah non, ça commence. Là, c'est des petites vidéos que je fais un petit peu comme ça. Il n'y a pas trop de. Il n'y a pas trop de carrière suivie ou quoi. Mais normalement, il devrait y avoir une carrière suivie sur le DLC Platinum qui, évidemment, il y a deux épisodes qui est déjà sorti. Donc, j'arrive pas à le choper. Non, mais c'est sérieux. Oh, je peux te choper, merci. Voilà. Donc il y a deux épisodes, enfin j'ai fait une série sur le DLC Platinum, un roleplay qui a pas tardé à sortir, vraiment là on est en train de faire le scénario, donc ça sera les fermes concurrentes saison 2, donc j'espère que ça va vous plaire. Bon Tony, charge-le parce que ça va m'énerver, j'arrive pas à les choper. Ça, et tu veux faire quoi? Bah mets-les sur le plateau. Ah tu oui. Bugs. Oh bonjour, je te vois voler. Tu peux être beau pied. Vas-y, mets ça dessus. Et du coup on a quoi? Parce que du coup il y a le lait pasteurisé, mais on peut pas faire de... Enfin ouais, du coup on peut pas faire de lait pasteurisé, c'est ça qui est con. Je sais pas où le vendre. En plus on a pas assez de lait alors. Tu sais pas où le vendre? Je sais pas, il y a pas un truc genre laiterie. Je sais pour le fond. Attendez. On a pas de lait en fait. On a pas de lait. Ouais, mais du lait faut en faire, mais bon c'est pas grave. Mais il doit avoir une laiterie pas loin. En bas il y a quoi? Non, ouais, food, négoce de paille. Je crois que c'est dans le village, mais Il y a un fromagier. Bah oui, il faut aller au fromagier parce... alors. Nous c'est la crèmerie du Pays Vert où on va aller vendre notre fromage. Crèmerie du Pays Vert. Ah, c'est en bas. Mais attends, mais si j'arrive, c'est quoi là? Je crois que c'est un fromagier ici. Ah, c'est Gamme Vert. Ah oui, c'est une fromagerie. Il y a une fromagerie. Non, c'est pas Gamme Vert, je sais pas, c'est bizarre. Ah, si, c'est bien Gamme Vert que je voyais pas bien. Et en bas, il y a une fromagerie tout en bas. Ouais, bah je vais aller voir la fromagerie qu'on va. Bah du coup, on va les amener. Donc vas-y, charge un petit peu, je visite la map. Je rappelle d'ailleurs, il y a des abonnés qui m'ont reproché que je demandais trop de likes, surtout un. Et franchement, je prends en compte ce que t'as dit parce que je pense que ça va vraiment vous saouler. Pas tous, il y en a qui s'en foutent, il y en a d'ailleurs que quand je demande des likes, ils s'en foutent. Mais c'est vrai que je peux. C'est magnifique ici. Je peux comprendre que voilà, ça peut vous saouler que je demande des likes. Donc je vais essayer d'en demander moins vraiment parce que je. Voilà. Alors, c'est ici. Là, c'est le fromage. Ah là, c'est ici qu'on vend le fromage. D'accord. Et là, il n'y a rien dedans. Ok. Ok, c'est parti alors. C'est parti. Là, c'est une partie. Oh, tu l'as fait quoi?
C'est une petite partie qu'on avait faite. Oh. Ah t'as rempli de l'eau. Ah oui, c'était pour faire du lait, d'accord. Stavo, t'es pas du tout au bon endroit. Nous, on va, il faut qu'on aille à la crèmerie du Pays Vert. Ouais, mais j'y étais. Non. Je sais pas là. Si, c'était là, il me semble. Si, j'y étais tout à l'heure. J'y étais. Bah vas-y, père, laisse-moi, je vais essayer de le faire. Attends, je sais du coup de... Hop. Vas-y. Évidemment, il faut que tu m'aies essayé de la mettre droit. Quoique, du coup, il y en aura assez ou pas de palettes. Ou pas. Il y a là qui avance le temps, en fait. Mais attends, hop, j'essaie de les poser bien cette fois-ci. Parce qu'on faisait ça comme je sais pas quoi. Là, vas-y, c'est bon. Je vais faire un vue extérieur, hein, ça sera mieux parce qu'un vue intérieur c'est un peu galère. Accélère le temps. Ben vas-y. Ah, tu peux pas? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que oui. Merci Virigan, ce qui je vous demande de renouveler mes serveurs et que vous ne le faites pas. C'est magique. Bon, ça peut arriver, mais bon. C'est dommage parce que du coup, ben, on avait la partie sur le serveur et vu que ben, moi je suis interne et que je tourne mes vidéos le week-end. Et ben, que voilà, donc. Oui, que le week-end ils répondent. Je crois qu'ils répondent pas trop. Donc bon. Ce qui fait qu'on n'a pas de. J'ai tourné là sur serveur. Enfin, sur partie hébergée. Donc, tu le vois le tuyau là? Je pourrais. Attends, je vais voir. Un tuyau? Le grand tuyau là qui part de. On a déposé le lait jusqu'à la citerne. Hop là. Je crois pas. Là, attends, tu vois pas. Il y a des endroits où tu vois pas, mais quand t'es là, à ma place. Non, je vois pas de tuyau. Celle-là, il y a le tuyau qui va jusqu'à la citerne. C'est buggy en fait. Ah ouais? Prends un screen. Vas-y, prends un screen et je le mettrai au montage. Genre, le tuyau il fait tout le bout de la map. Ah non, moi ça n'est pas buggé comme ça. Hop là. Mais ça, tu le vois depuis le début ou c'est juste comme juste là? Bah, c'est depuis que je suis parti. D'accord. C'est ouais. Bon, j'ai pris le screen. Mais si tu m'enverras, je le mettrai au montage. Ça va être bien buggé, ça va être bien bizarre. Il y a encore une palette. Je sais pas s'il en reste beaucoup. Et est-ce que ça rapporte? C'est ça la question. Est-ce que ça rapporte? Parce que du coup, ouais, ceux qui sont sur la map. Vous avez votre prix à vache, vous avez vos vaches, je sais plus, ça peut être sympa. Ah oui, au fait, il y a un nouveau jeu. Enfin, d'ailleurs, est-ce que ça vous dirait que je fasse d'autres jeux que farming dans la simulation, dans le truc agricole, bien sûr. Mais j'ai vu, il y a des petits jeux. Bah, à la base, je vais tester Real Farm, mais à ce qui paraît, c'est de la merde. Je vais tester Catalan Crop, de temps en temps, bah, quand je. Aïe, de temps en temps, j'essaie de le tester quand il y a des nouvelles mises à jour. D'ailleurs, il y a eu une mise à jour, mais ça n'a pas rajouté grand chose. Et il y avait un jeu de gestion, je sais qu'Energy a fait une vidéo dessus qui m'a l'air franchement pas mal. Parce que du coup, bah, ça fait un petit peu comme la nouvelle ferme. La nouvelle ferme, bah, on crée notre ferme. Et là, bah, c'est vraiment un jeu spécialement pour créer notre ferme. Bon, c'est de la, c'est un peu comme. Pas comme les Sims. Est-ce que vous connaissez Game Dev Tycoon? Ouais, je crois que c'est ça. Game Dev Tycoon. C'est du mapping presque. C'est du mapping en fait. C'est ça, c'est du mapping en. Oui, c'est ça. C'est du mapping en jeu. Merde, la palette. Donc, franchement, je sais pas, ça vous dirait. Après, faut que ça vous plaise. Mais je pense que ceux qui sont créatifs. Et le mieux, ce serait que justement on puisse créer notre map et qu'on puisse jouer. Là, je crois qu'on peut pas jouer. Là, mais c'est si, on l'a. Ah ouais, un peu, je sais pas. Enfin, toi, tu peux pas jouer, mais tu peux prendre des ouvriers et les faire aller où tu veux, quoi. Ouais, voilà, en gros, c'est un jeu. Ouais, un jeu de geste. Tu crées ta ferme et après, voilà, tes ouvriers fonctionnent. Ça, attends, à quel jeu ça pourrait faire penser? Parce qu'il y avait un jeu qui était un peu comme ça. Mais je sais plus trop. Ah, bah, évidemment, je vais pas réussir à l'enlever. C'est bugué. Là. Non, pas là. Attends, j'essaie de les mettre droit. Mec, on a foutu toutes les palettes droites. Il faut évidemment que celle-là soit pas droite. J'avoue, on a fait un truc super. C'est rare hein, quand on met bien droit. Bon, voilà, c'est bon. Voilà. Mais tellement. Bah là, c'est bon, il n'y a plus de palette ou il y en a d'autres? Ouais, bah, y en a encore, je pense, mais c'est bon. Non, c'est pas bon, mec. Ah bah non, si, palette. Ah non, il n'y a plus de lait. Bon, bah ok, il n'y a plus rien. Et bah, au pire, attends, on va charger une truc de lait pasteurisé. Pour voir si ça se vend au même endroit ou pas. Je sais pas, au pire, si on passe devant un endroit, on l'aura. Si on a besoin de le vendre. Donc, ok, je ferai une petite miniature. En vrai, je préfère ces bidons. Ah, ça va faire vidéo miniature putaclic. Parce que je vais mettre ces bidons-là miniature et pas les autres. En vrai, ceux-là sont plus beaux, je trouve. Par contre, enlève la sangle. Parce que je crois que je vais pas pouvoir pousser s'il y a la sangle. Attends, hop, comme ça va même le remettre droit. Là. Comme ça. Ok. Bon, bah, vas-y. Mais moi, je peux prendre. Bah, je prends le tracteur que je l'avais pas pris. Ouais, je vais faire une petite miniature. Alors, je t'ai mis un point dessus, il clignote sur ton PDA. Vas-y, je vais voir ça. Allez, un point, il clignote sur mon PDA. C'est la crèmerie du Pays Vert. Non, il clignote pas. Bah, au pire, passe devant le télescope, je te suis. Non, mais j'y suis en fait. Ah, tiens, bah, au pire, c'est tiens. Ouais, bah, regarde sur le PDA. Ah, d'accord. Ouais, bah, oui, c'est bien là. Ouais, c'est là où c'est que j'avais vu. Ok. Et eh ben c'est parti. Aïe. On n'est pas parti encore. là, voilà, c'est parti. Normalement, on devrait. Ah, mais attends, mais par où on passe? C'est à perpète. Oui, bah oui, je fais perpète et je vais mettre mes gyros d'ailleurs. Allez. Là, par contre, quand on descend, il descend beaucoup plus vite, hein, comme j'avais dit dans d'autres vidéos. Là, ouais, faut passer par là. Du coup, on essaie de pas perdre notre vitesse, parce que si on perd notre vitesse, on n'arrivera pas à repartir, vu que c'est un tracteur qui avance pas. Donc,
ouais, vraiment la map vraiment elle est vraiment stylée, donc ceux qui la veulent aller sur le site. Je vais refaire un concours de Noël, donc il y aura un concours sur le site où c'est que vous proposerez vos meilleures photos farming. Mais ce sera marcheur sans interdit. Ce sera vos meilleures photos farming, mais ça sera par contre je mettrai vraiment des vraies règles, genre ne pas avoir de photos volées parce qu'on le voit quand vous avez des photos volées, on n'est pas con, on a un truc pour voir. Donc on sait quand c'est des photos volées et voilà pareil vous faut que ce soit des photos sans HUD, donc sans l'affichage. Là le mode c'est HUDider qui est pas sur le site, d'ailleurs je pourrais le rajouter s'il y en a qui veulent. Et justement j'ai mis un petit logiciel, enfin un petit logiciel avec Google Analytics, on peut voir combien de personnes vont sur le site. Et j'étais vraiment assez surpris parce que je pensais pas qu'il y avait autant de gens. Genre même, attends, est-ce que c'est par là? Ouais non c'est par là. Franchement il y a à peu près 60 personnes par heure. Enfin franchement je pensais pas que c'était autant. J'ai regardé, ouais dernière heure 60 personnes, ça avait 63 personnes il y avait écrit. Donc c'est à dire qu'il y a toutes les... En ce moment je pense au moment où je vous parle il y a au moins 5-6 personnes sur le site. Et voilà, même moi je pensais qu'il y aurait peut-être que genre ouais, peut-être une ou deux personnes même de temps en temps qui viennent voir le site, mais en fait non, il y a non, genre, pas mal de gens. Tu vas la faire. Ok, fermer. Ok. Bah si. C'est en bas de toute façon, donc non, c'est là. Ouais, mais après tu peux prendre le petit chemin de terre, c'est bête. Et bien on va... T'inquiète. Donc on arrive à la ferme, ok. On arrive à la ferme. Donc ah oui, donc je vais un petit peu renouveler un petit peu la chaîne. Je vais essayer de faire des nouvelles séries. Enfin, attends, est-ce que c'est par là? Non, c'est pas là, mec. Attends, si, peut-être qu'on peut passer par là. Je crois pas. Mais... C'est quoi la route, mec? Là, tu aurais dû prendre la route en goudron. Est-ce que au pire, je vais essayer de couper par là? C'est pas grave, je passe dans mon champ, mais... Il faut que je rejoigne. Bah ouais, il faut que je coupe, je suis obligé. Ah non, merde. Attends, j'espère que j'ai pas... Si je me bloque, que ça va pas le faire. Y a pas un chemin par là? Parce que là, il y a des clôtures, donc on est, je peux pas passer. Non. Faut trouver l'entrée du champ. Merde, c'est où? Ah bah attends, mais si, là on peut. Ah, il y a des clôtures. Mais non, on peut pas, il y a des clôtures. Merde, bon, je vais longer le champ. La brèche, elle est en bas. J'ai fait n'importe. Aïe. Oh non, les arbres. Arbres en collision. Ah, oui. Non, on peut sortir par là. Ah, on peut sortir là et je vais essayer de repasser par là. Ça devrait le faire. Normalement, je peux... Il y a une de ces rampes de gyro sur mon tracteur. T'as vu? Ouais, parce qu'il est trop. Il est trop cheaté ce tracteur. Non, ah, c'était pas là. Ouais, la boukia. Mais c'est pas là. C'est de l'autre côté. Non, non, mais faut passer par là. Non. Si, si, faut passer par là. Normalement. Ouais, ok, non, il faut que je rejoigne la route qui est devant. Ok, on va y arriver. Bon, mec, non, Tony. Oh, mais Tony. Quoi? T'es débile ou quoi? De quoi? Il y a des cultures dans le champ. Ah bon? Moi, je vois genre juste de la terre. Ah non, il y a des cultures. Ah ouais? Mais même, roule pas dans le champ, il y a des cultures partout. Oh. C'est quoi cette... C'est quoi le champ 26 là à côté? C'est de la luzerne ou du trèfle? Voilà, je suis obligé de rouler dessus. Hop, ok. Regardez, c'est ces petits chemins, c'est vrai, c'est magnifique. Donc là, on rejoint la route. Ah oui, je vois où c'est qu'on rejoint. Ah d'accord, c'est là qu'on rejoint. Ok. Ça me rappelle parce que du coup, il y a un abonné dans mon lycée et on jouait sur cette map. Hop là. Ok. Donc, non, ouvre-toi s'il te plaît. Merde, j'ai appuyé sur quoi? Je me suis trompé de touche. Ah, ok, c'est là. Bon, ça va le faire. Ursus, ça résiste. Voilà. Non. Le mec, il passe là. Ok, j'espère que ça va rapporter. Bon, on a jeté la partie, mais ça devrait rapporter. Voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ces petites vidéos. Je pense qu'on va pas refaire d'autres vidéos comme ça. La prochaine vidéo, ce sera une autre vidéo. Oh, mec, il aurait dû me pousser. Oh, ça avance pas. Mec, je suis à fond, ça avance pas. Pousse-moi. Allez. Merde, ça avance pas. Ouais. Bah, du coup, ce bidon là, bah, on peut rien faire avec ce bidon, vu que c'est un bidon de l'épaisseur. Il y a des cannes, des charges de tracteur. Hein. Au pire, oui. Bah oui, vas-y. Descends. Hop là. Voilà. En fait, on est con, mais c'est vrai qu'on aurait dû prendre celui-là. Celui-là, on a vu. Ah, ouais, mec, regardez comment il est chidé ce tracteur. Voilà. Moi, j'ai ma petite mobilette. Je pourrais le mettre sur le site. Il est pas dégueulasse. Bah, ouais, vraiment. Le problème c'est que maintenant que je sais qu'il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, il y a pas mal de personnes qui vont sur le site, je vais quand même essayer de le tenir bien à jour, bien mettre des modes souvent. Parce que... Ah ouais, ça qui note de partout. Donc voilà. Non, c'est pas là, je crois. Ouah, comment on passe là? Si, c'est là. Prends la route. Oups. C'est là, normalement. Voilà. Non, fallait prendre la route sur le côté. Non. Si. Non, parce que c'est en bas. Ah oui, si. Mais non, c'est pas ça. Si, mec, je viens d'y être. T'es sûr?
Mais moi j'ai envie de passer par là parce que ça va être. Ouais, c'est quoi cette route? Ça passe les gars, ça passe. Mais c'est sûr. Mec, c'est quand même beaucoup plus beau ici. Mec, c'est trop beau cette map. Oui, mais savent que tu pourras pas le vendre, ok. Ah oui, effectivement, non. Mais je découvre la map au moins. Au moins, je fais des choses intéressantes. Ouais, attends, bah oui, demi-tour. Mon sens interdit, c'est pas grave. Je reviens. Normalement, il devrait monter, donc ça devrait aller. Voilà. Mais en fait, ça fait déjà 17 minutes. Mais c'est abusé comment ça passe à une vitesse. Oh là là là, on a le temps de rien faire. Allez, monte, monte, monte. Ah, imagine, mec, là, il galère le tracteur. Alors, j'imagine pas l'autre. Parce qu'il avancerait pas, quoi. Alors vrai. Le bout du monde, là, on va passer par là, il y a un arbre sur le côté, enfin je l'ai écrasé, il n'y a plus d'arbre de toute façon. Et c'est là? Ah oui d'accord, je vois où c'est. Normalement on passe par là, on tourne. Ben, va tout droit là. Ouais ok, je vois où c'est. Tout droit, ouais ok. Ah mais les petits chemins, bon, c'est toujours le même pont mais c'est pas grave. Le pont il est sympa quand même. Ouais le pont est sympa, ouais. Hop là. Attends, faut que je fasse une petite photo. Ça faut que je fasse une photo. Non, moi aussi je peux faire une. Je vais faire une petite photo pour la belle petite miniature. Eh, c'est pas beau ça. Regardez-moi ça, c'est magnifique. J'adore faire des photos farming. Je veux dire photographe farming. Là, voilà. Bref, sinon on va quand même continuer hein, parce qu'on perd du temps. Allez, hop, on y va. Ah oui, d'ailleurs, déjà m'ont dit, mais en fait, j'ai déjà le bout du monde depuis avant toi, Stervio. Mais en fait, oui, mais la version d'avant, c'était. Oh, on a un télescope. Non, mais vas-y, là-dedans. Vas-y. Je pense que ça va être compliqué. Attends, Effectivement. Ça va être compliqué. Non. C'est pas un architecte qui a conçu ça. Ouais, bah oui. Bah, il faut aller chercher le télescope. Ouais, bah, va chercher le télescope. Écoute, on va faire une coupure et on se retrouve, bah, du coup, à tout à l'heure. Ok, c'est bon, merci à Tony du coup qui a fait le bout de la map pour ramener les télescopes. alors maintenant, bah, du coup, on va essayer de vendre ça. Ah, bah, du coup, on enlève les sangles et sort le Ursus parce qu'il va gêner d'ailleurs, le Ursus derrière. Alors, j'espère que ça va le faire. Je me suis mis sur le côté, déjà j'ai galéré à me mettre sur le côté parce que un peu ce truc est trop penché. Alors, on va galérer à enlever l'autre. Oh, non, l'autre là qui est dans l'autre sens. Attends. Ouah, on les fait à tout d'un coup, mec, tu vois, si je le pousse, ça se veut qu'il tombe. Ouais, à mon avis, mec, je vais faire tout tomber. Attends. T'aurais mal que t'aurais pas dû. Sur toi. Non mais remets les 5 parce que tu vas faire. Ah, je vais faire tout tomber, c'est certain. D'abord accroche là et après je détache. Allez, mets-toi, rapproche-toi. Ça devrait le faire. Ok, c'est bon. Ouais, laisse les sangles. Comme ça j'ai le temps de vendre. Et du coup, bah, j'espère que ça va se vendre. Parce que si ça a eu un vieux bug pourri, que ça, bah, ça se vend pas, ça va pas le faire. Alors, on a combien là Ah, c'est bon, ça se vend. Ça se vend petit à petit. Ok, et bien l'argent. Ouah, mais la thune qu'on se fait. Ok, mais ça se fait, ça fait de la thune. Bah, regarde comment l'argent il monte. Ah non, tu vois pas. Je vois pas. Plus 2600. Ok, une palette 2661. Ah oui. 2000, 4, 6, 8. Ouais, bah, on se fait 10 000 euros facile. Okay. Mais plus de 10 000 euros même. 12 000. Vas-y, enlève les trucs. C'est bon. Ouais, quel talent. Mais quel talent, oh, c'est un peu galère, c'était vraiment mal tout petit ça que... Voilà, ok, c'est bon. C'est vrai qu'avec un joystick ça devrait être quand même mieux. Ouais. Parce que la souris, bon, ça va mais c'est pas très... Oh, voilà pourquoi les sangles j'avais dit de les garder. Ah, c'est tout petit. En fait faut venir avec un pick-up, bon, faut pas venir avec ça, faut venir avec une bennette ou un pick-up. Alors... Attends, je vais essayer d'en choper deux. Je sais pas si je vais réussir, mais je vais essayer. Enlève pas les angles, on les enlève pas. Vas-y, enlève. Ouh. Eh, c'est pas beau ça. En fait, ça pèse pas tant que ça, donc ça va. Ok, c'est bon, tout va bien. Oui, tout va bien. Non. Bon, c'est pas grave, allez quand même. Voilà, c'est bon. Bon, vous avez compris le délire du truc, il faut décharger, et puis on verra comment ça nous rapporte à peu près 10 000 euros. Mais en fait, ça rapporte au taquet, hein. Ça rapporte vraiment pas mal de faire des... De là, c'est du fromage. De faire du fromage, ça rapporte, parce que du coup, ben, il faut pas acheter une machine pour faire du fromage, il faut juste amener du lait et des palettes. Les palettes, je vous ai montré, donc c'est dans la dernière vidéo que j'avais faite. Donc du coup, voilà. Bon, du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez encore une fois ben, à me laisser un petit pouce bleu si vous kiffez. J'en demanderai qu'à la fin, j'essaierai d'en demander qu'à... What?
Ok, attends. Attends, 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 faut essayer de la choper. Voilà, du coup, j'essaierai d'en demander qu'en fin de vidéo, parce que sinon, ben, voilà, sauf les vidéos. Enfin, j'essaie d'en demander moins, parce que je sais que j'en demande trop des fois. Vas-y, lâche. Ok, c'est bon. Et du coup, ben, l'autre, on va rien faire, parce que du coup, c'est pour du. C'est pour du lait pasteurisé, mais on n'a pas trouvé l'endroit. Donc, si y a des gens qui connaissent l'endroit, ben, dites-le moi. Et on fera ça dans une prochaine vidéo. Voilà, bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit commentaire de ce que vous pensez de cette map de Tsukui qu'on fasse dans une prochaine vidéo. C'était Starview. Juste dire que la vidéo était cool, ça me fait vraiment hyper plaisir. J'essaierai de vous répondre. Si vous êtes à la prochaine, c'est Starview et Tony. Allez, ciao tout le monde. Salut.